La saison de Formule 1 approche à grands pas et les équipes mettent la dernière touche à leur nouvelle voiture. L'équipe Lotus a terminé la saison dernière en 10e position, une place très honorable, sachant qu'elle emploie seulement 220 personnes, 4 fois moins que les plus grosses écuries. Toutes les pièces principales s'assemblent à la perfection. Je pense que cette année, on va prendre notre envol. C'est comme une aube nouvelle, un jour nouveau pour nous. En 2011, on verra une écurie Lotus très compétitive sur les grilles de départ. Les voitures sont fabriquées de manière artisanale dans l'usine Lotus de Norfolk, dans l'est de l'Angleterre. Les châssis sont en fibre de carbone, ce qui les rend à la fois très légers et très résistants. Ils peuvent supporter un choc à plus de 300 km/h. C'est une industrie de haute précision pour un sport où chaque centième de seconde compte. Or, sur les 12 équipes en compétition cette année, 8 sont situées en Grande-Bretagne, un des rares succès industriels dans ce pays dont l'économie repose surtout sur la finance et le secteur des services. La Formule 1, c'est de la très haute technologie. On a besoin de compétences dans des grands domaines d'expertise. Je pense qu'il y a beaucoup d'échecs industriels dans ce pays. Mais pour ce qui est de haute technologie, je crois que la Grande-Bretagne continue de se détacher. Le sport automobile est une grande industrie en Grande-Bretagne. Pas seulement la très prestigieuse Formule 1, mais aussi la Formule 3, le motocross et le rallye. Les marques les plus emblématiques du pays, comme Jaguar ou Rolls-Royce, sont passées dans des mains étrangères, mais beaucoup de petits constructeurs automobiles se développent. Je pense que les Britanniques aiment le sport automobile. Et c'est vrai, la Grande-Bretagne a sa propre industrie qui travaille sur des petits volumes, comme les automobiles Caterham. Il y a 60 ans, la Formule 1 faisait ses débuts dans le sud de l'Angleterre. Depuis, le chiffre du secteur se compte en milliards de dollars et ses courses sont regardées par des millions de spectateurs à travers le monde. Dans un pays qui peine à sortir du marasme économique, les écuries de Formule 1 font figure d'exemple.